moi, je dis toujours, dès que tu as le waouh du miroir, ce que j'appelle le waouh du miroir, c'est le jour où tu te regardes devant un miroir avec tes cheveux naturels. Tu ne sais tellement pas quoi dire que tu dis waouh. Bonjour, vous écoutez De l'autre côté, épisode 2 sur Radio Myria. Tout d'abord, écoutons un message audio laissé sur le WhatsApp de l'émission. Je parlais d'une émission appelée De l'autre côté. Je suis effectivement allé de l'autre côté et je suis tombé sur une web radio appelée Radio Myria. L'émission qui était partagée, interviewée, M. le Président Salvador, un Burkinabé vivant aux États-Unis, qui faisait témoignage de son expérience vécue à travers son parcours. Très riche d'ailleurs, et tout bien intéressant comme mission et comme initiative à encourager. Et j'ai quelques points à soulever par contre sur la position de M. Saragot concernant le retour des étrangers dans leur pays d'origine. À savoir qu'une personne ne peut pas changer la manière de penser de toute une nation. À mon avis, je trouve assez fort comme position. Et je pense bien que cela est possible et l'USAID nous a prouvé à travers plein de personnalités africaines qui ont su changer, qui ont pu transformer leur pays et donner un coup de boost au développement, que ce soit aux avancées économiques ou politiques. Et cela nous prouve que l'Afrique a de l'énergie à revendre, que ce soit sur le plan international et aussi au point de vue de politique ou d'économie en interne. Et il faut souvent encourager les gens aussi à promouvoir ce qu'ils ont dans leur propre pays et avoir une certaine fierté nationale et développer aussi le patriotisme. Le patriotisme n'a rien de telle beauté que de l'exprimer à travers ses gestes sur le terrain. Et voilà un des points de vue que j'aurais voulu partager avec vous, cher Radio Myria. Merci beaucoup de permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer à travers vos différents outils de communication. Vous pouvez vous aussi réagir à l'émission en laissant vos messages audio sur le WhatsApp de l'émission au 0033 6 19 88 45 88. Aujourd'hui, nous sommes avec Dalila Yaro depuis le Canada. Ce podcast est produit par Myria Prod. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et SoundCloud. Toutes les informations sont dans le descriptif de ce podcast. Bonne écoute. Bonsoir Dalila. Bonsoir. Bienvenue de l'autre côté. Merci. Avant tout, j'aimerais que tu te présentes. Donc, c'est qui Dalila Yaro? D'accord. Donc, je me présente, Dalila Yaro, étudiante. Je suis d'abord étudiante en géographie et coopération internationale à l'Université de Montréal. Je finis mon bachelor cette session. Et en dehors de ça, je suis une jeune engagée dans la société, c'est-à-dire que je m'implique dans différentes causes sociales, notamment l'autonomisation des jeunes femmes, l'éducation, et aussi une jeune entreprenante. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada d'abord? La première raison pour laquelle je suis venue au Canada, c'est parce que mon grand frère est venu avant. Donc, les trucs de famille, la famille qui dit « ton grand frère est déjà là-bas, ça sera plus facile pour toi ». Donc, j'avais mon grand frère et ma cousine qui étaient déjà là, donc ça allait être plus facile. Et puis, j'ai trouvé aussi dans mes recherches à l'Université de Montréal qu'ils offraient des programmes qui m'intéressaient bien, qui étaient en accord vraiment avec ce que je voulais faire. Donc, voilà. Ok. Donc l'intégration, ça n'a pas été trop compliqué alors? Non, l'intégration n'a pas été du tout compliquée. Oui, ça a été facile. Déjà avec les connaissances de ma cousine, de mon frère, et j'avais déjà des amis aussi qui étaient ici. Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Tu as dit dans la société, dans différentes causes sociales. Ouais. Bon, d'abord, c'est parce que déjà dans ma famille, parce que déjà quand j'étais petite, avant d'arriver même ici au Canada, ma mère travaille, son domaine, c'est beaucoup dans les sciences sociales. Donc, je la voyais toujours travailler sur des causes sociales, notamment la cause des jeunes femmes.
le genre en général. Donc, ce domaine me captivait beaucoup. Et aussi, mon grand-père qui est très impliqué dans l'éducation, donc ma famille même en général, on est très impliqué dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est quelque chose que j'avais en tête même depuis toute petite. Et quand je suis arrivée ici, j'ai voulu développer ça. Bon, actuellement, je peux dire que celui qui ne connaît pas Dalila Yaro, je ne sais pas où il vit, mais... Si, quand même. Mais comment toi, tu le vis, ça? Parce que tu es quand même... Je peux dire même que tu es le porte-drapeau de ta génération. Waouh, ça me touche. Comment je le vis? Déjà, je le vis, c'est vraiment positif pour moi parce que j'arrive à réaliser ce que je veux faire. Bien qu'il y a cette implication sociale et puis aussi me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat comme ça, à ce jeune âge, ça ferme certaines portes en termes de... Par exemple, quand on me dit, il faut profiter de ta jeunesse, tu es une jeune étudiante, il y a certains trucs que je ne peux plus me permettre de faire, mais que je ne fais plus pour me concentrer sur toutes ces implications. Mais le fait de voir aussi que j'arrive à inspirer plein d'autres jeunes, ça me pousse vraiment à aller de l'avant, à ne pas arrêter, quoi. Donc voilà, c'est ça. Tu peux me parler un peu des différentes entreprises que tu as eu à créer? D'accord. Donc, j'ai commencé d'abord en 2014 avec Miss Hivernage Burkina Faso. En fait, je voulais relier entrepreneuriat et puis engagement social. Parce que notre objectif, c'était de vraiment favoriser l'autonomisation des jeunes femmes au Burkina. Donc, des jeunes, des élèves, des étudiantes. Donc, on définissait ça comme une académie dédiée à l'apprentissage et au développement culturel. Donc, je me suis lancée 2014 à 18 ans. C'était pas vraiment facile. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais ça nous a beaucoup d'échecs en termes financiers. Parce qu'on est sorti avec beaucoup de dettes qui sont toujours présentes aujourd'hui. Donc, et au fur et à mesure du temps, en fait, le terme, j'ai remarqué que le terme Miss est mal perçu. Est mal perçu dans la société. Donc, on a voulu renommer cette entreprise. Et donc, on est toujours là-dessus, on travaille toujours là-dessus. Mais nos dettes nous empêchent actuellement de revenir du jour au lendemain comme ça sur le marché. Donc, après ça, j'ai continué en 2015 avec ID Pearls. Non, avant que tu me parles de ID Pearls. J'aimerais que tu me parles de... En fait, le phénomène de Miss, tout ça, là. Tu as parlé d'un truc qui m'a tiqué. En fait, tu trouves pas qu'il y a un peu trop de concours de Miss? Oui, ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Déjà même dans nos pays et aussi au niveau international, c'est-à-dire la diaspora, il y a beaucoup de concours de Miss. Et il y a eu... je veux dire, il y a certains messages, il y a certains concours, je ne vais pas donner de nom bien sûr, qui véhiculent une autre image de la femme qui n'est pas forcément positive. Mais ok, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que pour véhiculer l'image de la femme, est-ce que être Miss, organiser des concours de Miss, est-ce que c'est la seule manière pour pouvoir améliorer l'image de la femme, je veux dire? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, ça, absolument pas. Donc, je me suis justement rendu compte de cela. Après, donc, heureusement que je me suis lancée dans l'organisation d'un concours de Miss. Et après ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres manières d'organiser, de valoriser la femme, notamment avec des concours de leadership, des formations en leadership, formations culturelles, en talent, développement des talents. C'est vraiment pas forcément que Miss. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de Miss aujourd'hui. Donc, faudrait penser à d'autres vraiment concepts qui pourraient vraiment nous aider. Ensuite, tu allais parler de ID Pearls. Oui, donc ID Pearls en 2015, août 2015, j'ai créé ID Pearls. Pourquoi? D'abord, ça commençait d'abord par un passe-temps. C'était un moyen pour moi de me détendre. Donc, j'ai commencé à faire des perles
dans mon entourage, les gens ont commencé à m'encourager. Je me suis dit, pourquoi ne pas te lancer? Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée, mm-hmm. petit à petit. Et c'est vraiment en janvier 2016, janvier à côté là, que ça vraiment, c'est vraiment parti comme ça. Mm-hmm. Waouh! Donc, je me suis fait connaître par plusieurs personnes. J'ai commencé à vendre en ligne. Mm-hmm. Et donc là, je suis toujours en train de travailler là-dessus. On est en pause actuellement. Mm-hmm. Et la prochaine collection doit sortir normalement en décembre. Mm, d'accord. Mais d'où te vient cette envie d'entreprendre tout ça là? C'est de tes parents aussi ou bien... Oui, de mes parents, de ma famille aussi, parce que on est dans une famille d'entrepreneurs. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la famille. Mm-hmm. Et aussi... Qu'est-ce qui m'a inspirée à entreprendre dès le début comme ça? C'est que mm-hmm. quand je suis arrivée ici au Canada, à mm-hmm. ma première session, mm-hmm. mon frère m'a donné plein de livres à lire. Mm-hmm. J'ai commencé à lire ces livres et depuis que j'ai lu ces livres, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'envie d'entreprendre, mais je n'avais pas le courage. Je ne pouvais pas, prendre l'action, mm-hmm. passer à l'action, disons. Mm-hmm. Et depuis que j'ai lu ces livres, Il y a des livres que tu peux nous conseiller. Oui, donc j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone. Ah, je viens de lire ça aussi. Ah, oh, c'est un bon livre. Hein. Oui, c'est un très bon livre. Ouais. Il y a aussi Père riche, père pauvre de ça aussi, Robert Kiyosaki. Je viens de finir ça aussi. Ah non, quand... ça ce sont les livres clés. Ouais. Et il y a un autre aussi de Napoléon Hill. Think and Grow Rich. Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'ai lu ces trois-là en même temps. Wow. Le mois passé. Ah. Ouais, ça m'a beaucoup apporté aussi. Oui, c'est ça. Moi, ce sont ces trois livres-là vraiment. Et donc après ça, je lisais des témoignages de modèles inspirants. Mm-hmm. J'ai lu beaucoup sur l'histoire de Steve Jobs, mm-hmm. de Oprah Winfrey et mm-hmm. puis d'autres figures africaines. Mm-hmm. Je lis beaucoup de citations, Aliko Dangote, plein de figures africaines aussi, mmh. d'entrepreneurs qui m'inspirent. Mais toi, tu vois, ces gens-là, ils ne sont pas avec toi au quotidien. L'entrepreneuriat, oui. C'est pas facile. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui te motive, toi? Qu'est-ce qui te pousse à te lever tous les matins? Parce qu'au jour le jour, la vie d'un entrepreneur, oui. c'est pas... Il y a des jours où tu veux abandonner. Oui, c'est vrai. Toi, au moment où tu veux abandonner, là, qu'est-ce qui te motive? Donc, qu'est-ce qui me motive? Déjà, il mm-hmm. y a mon grand frère. Mm-hmm. Je peux dire que c'est mon manager parce que c'est lui qui est là vraiment dans toutes mes étapes. Mm-hmm. C'est lui vraiment qui me motive, qui me pousse à aller de l'avant quand ça ne va pas. Il y a aussi ma famille, ma mère. Mm-hmm. Que, voilà, c'est avec eux vraiment que je communique. Mm-hmm. Et puis, j'essaie de ne pas baisser les bras, de continuer. Et puis, comme je l'ai dit aussi, plein de citations. Mm-hmm. Quand je me lève le matin, j'écoute des audios de motivation. Mm-hmm. J'ai des citations que j'accroche parfois dans ma chambre, que je lis mm-hmm. tous les jours. Mm-hmm. Et ça me pousse vraiment. Si tu devrais nous raconter un peu ta journée typique, quelle est ta routine? Ma routine actuelle. Mm-hmm. Par exemple, ma routine actuelle, je me lève le matin, mm-hmm. Je vais en cours, mm-hmm. de 9h30 à 16h environ, je suis en cours, mm-hmm. mais pendant mes cours, pendant mes pauses, je suis connectée, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, mm-hmm. donc je check un peu la page ID Pearl, si j'ai reçu des mails, mm-hmm. des mails, des commandes ou des messages. Mm-hmm. Actuellement, comme je suis sur le projet Miss Burkina Canada, mm-hmm. je regarde aussi si on a reçu des messages ou bien qu'est-ce qui doit être fait. Je m'implique aussi parce que j'organise aussi des débats, d'échanges et de partage. Mm-hmm. Donc sur ça aussi, je vois l'évolution des choses. Mm-hmm. Après, quand je rentre à la maison, c'est la même chose. En fait, toute la semaine, j'essaie de travailler sur les différents projets sur mm-hmm. lesquels je suis et aussi de bosser pour mes cours. Mais comment tu fais pour ne pas te perdre dans tout ça? Ah, je sais pas, franchement. Franchement, à l'heure là, j'essaie de savoir, mais là, je sais pas. Mais tu arrives à t'en sortir, non? Oui, c'est ça. Parfois,
Parfois, je sens vraiment... Là, même, j'essaie de diminuer un peu mon rythme mm-hmm. parce que j'ai eu une période vraiment de fatigue générale mm-hmm. et c'était pas bien. Donc là, j'essaie vraiment de diminuer le rythme et de diminuer le nombre de projets que je fais en même temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que je m'implique, je veux plus m'impliquer dans plusieurs choses à la fois. Exactement. Faire une étape à la fois. Ça, c'est, mm-hmm. c'est très important. Et donc, comment Miss Burkina Canada se passe? Mais tu viens de me dire que les Miss, les concours de Miss, mais pourquoi, comment tu te retrouves dans l'organisation de Burkina Miss Canada? Ok, donc d'abord Miss Burkina Canada, c'est les journées culturelles et économiques burkinabées du Canada. Mm-hmm. Donc c'est une manière vraiment de... Par exemple, chaque année, il y a des thèmes. Cette année, on a pris le thème de investissement et transfert entre le Nord et le Sud, notamment le Canada et puis l'Afrique, le Burkina Faso. Mm-hmm. Donc, on aura une des tables rondes, des expositions culturelles mm-hmm. et on termine par le gala Miss Burkina Canada. Mm-hmm. Pourquoi je me suis impliquée dans Miss Burkina Canada? Mm-hmm. Parce que déjà... J'ai dit qu'il y a d'autres moyens de valoriser la femme, mm-hmm. mais j'ai dit aussi que le mot Miss est mal perçu. Mm-hmm. Ce qui est dommage, parce mm-hmm. que moi, ma représentation de la Miss, une Miss, c'est un modèle de société. C'est quelqu'un qui doit représenter sa société. Par exemple, Miss Burkina Canada, la Miss Burkina Canada, c'est celle qui doit représenter la femme, la jeune femme burkinabée ici mm-hmm. au Canada. Mm-hmm. Donc... je suis vraiment intéressée à participer, à être dans l'organisation de ce concours parce que à travers tous les ateliers qu'on apporte aux filles, l'apprentissage qu'elles ont, je pense vraiment que ça aide à former des modèles de société. Mm-hmm. C'est juste peut-être le mot Miss qui dérange, mais bon, on pourra changer de nom. Mais est-ce que tu peux me donner des exemples d'ateliers? Voilà, d'ateliers, par exemple, okay. si... J'ai une petite sœur. Si ma petite sœur veut faire une Miss, quels sont les outils avec lesquels elle va sortir qui peuvent l'aider dans sa vie de tous les jours, quoi, dans sa vie après le concours de Miss, là? Ok. Donc, d'abord, un atelier très, très important et qui permet vraiment aux filles d'aller de l'avant, c'est l'atelier expression orale culture générale. Mm-hmm. Expression orale, on donne tous les outils, en fait, pour s'exprimer en public, comment parler en public, ne pas avoir peur, mmh. aller vers l'autre. Mmh. Surtout ici à l'international, c'est pas forcément facile d'aller vers les autres pour s'intégrer, essayer de s'intégrer dans une société qui est différente de la nôtre. Mmh. Donc ces ateliers-là permettent vraiment aux filles de s'exprimer, mmh. de mieux s'exprimer. Et le fait aussi de s'exprimer sur scène, ça change tout. Ça enlève une certaine peur qu'elles avaient avant. Mm-hmm. Donc ça c'est le premier. On fait aussi coaching culture générale, mm-hmm. c'est-à-dire que l'objectif Miss Burkina Canada c'est représenter le Burkina au Canada, mm-hmm. mais pour le faire faut avoir une certaine culture générale sur le Burkina. Mm-hmm. Il y a certaines participantes qui ont quitté le Burkina très tôt, mm-hmm. et qui ne connaissent pratiquement plus leur pays. Donc on essaie de ramener tout cet héritage culturel. Bien sûr, c'est pas tout parce que nous-mêmes, mm-hmm. il y a certaines informations qu'on a pu, qu'on n'a pas, mm-hmm. mais on essaie de leur donner le maximum. Puisque tu vis dans un pays étranger, n'est-ce mm-hmm. pas? Oui. Comment ton expérience au Canada a influencé ta manière de voir les choses et comment est-ce que tu penses que ça a pu t'aider à former ta vision, tout ça? Donc, mon expérience au Canada, c'est vraiment une très grande ouverture d'esprit. Pourquoi d'abord? Mm-hmm. Parce que j'ai eu à rencontrer différentes cultures. Pas seulement les Canadiens, pas seulement les Québécois, mm-hmm. mais à côtoyer différentes cultures au quotidien. Mm-hmm. Différentes manières de voir les choses, de penser, mm-hmm. de travailler. Tout ça, ça m'a forcé à m'adapter, mm-hmm. et à apprendre des autres. Donc, je dirais, le fait de discuter avec différentes personnes qui te parlent, par exemple, de leur pays, de ce qui se passe dans leur pays, mm-hmm. sur comment l'expérience de leurs parents, l'expérience de plusieurs personnes autour de nous, moi, je pense que c'est une très grande ouverture d'esprit qui apporte différentes idées, mm-hmm. qui donne différents outils pour réaliser certaines choses.
Toi, tu comptes rester au Canada ou bien tu envisages de rentrer? Moi, j'envisage de rentrer. Déjà, première raison, le Canada, il fait trop froid. Moi, je suis une sahélienne. Il faut que je rentre chez moi. Je ne peux pas. Deuxièmement, parce que mon objectif, en fait, c'était de venir étudier, avoir une certaine une base académique et puis rentrer au pays. Quel est ton objectif, en fait, en rentrant au pays? Quel est mon objectif en rentrant au pays? C'est-à-dire quand je vais rentrer ou bien... Ouais. Tu rentres pour faire quoi? Parce que je connais des gens qui ils sont ici, ils veulent plus rentrer. Le problème que moi je vois, et j'en ai discuté avec beaucoup de jeunes aussi, on n'est plus vraiment en phase avec les réalités du pays. Oui. Tu vois? Et je trouve un peu, il y a un comportement assez arrogant de la part des jeunes qui ont vécu à l'extérieur. Oui. Ils se disent, ok, moi je suis venu, j'ai des diplômes des États-Unis, du Canada, de la France, je vais venir vous apporter la lumière, vous qui êtes resté au pays, tu vois? C'est ça. Donc, en fait, dans quelle optique toi tu veux rentrer et est-ce que tu as déjà un plan ou bien tu as des projets pour l'Afrique et le Burkina en particulier? Donc d'abord, pour revenir d'abord sur ce que tu dis, que les jeunes de l'extérieur ont beaucoup de difficultés à rentrer de nos jours. C'est vrai. Arriver au pays, tu arrives, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que on arrive, on se dit qu'on a certaines connaissances que les autres n'ont pas. Et les autres nous rejettent en quelque sorte parce qu'ils se disent qu'on vient pour faire en quelque sorte le malin. Donc ça, c'est un point vraiment pas très positif. Et aussi, j'ai beaucoup entendu parler du côté financier. C'est vrai que c'est pas les mêmes salaires. Tu viens ici, tu as une à l'extérieur, tu as une vie, tu as un certain salaire, alors qu'au pays, c'est pas du tout les mêmes réalités. Tout ça, c'est vrai. Et donc, moi, ce qui me motive à rentrer, malgré toutes ces difficultés, d'abord, c'est que je ne peux pas me considérer comme panafricaniste, comme panafricaine, oui, pardon, merci. Et comme je ne peux pas dire tous les jours que je veux que l'Afrique se développe, que je veux développer l'Afrique en restant ici. Moi, je dis toujours, on peut être acteur ou bien spectateur du développement. Moi, je veux être actrice du développement. Donc, pour être actrice du développement, il faut rentrer. Maintenant, si j'ai des plans, je suis en train de développer actuellement des plans pour déjà développer ce que j'ai commencé à entreprendre. Mais c'est pourquoi justement chaque année quand je rentre, j'essaie de tâter un peu le terrain, de voir les réalités du pays, comment ça évolue, où est le manque, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut. Je suis plutôt dans cette période actuellement. Je ne peux pas dire que j'ai un plan vraiment clair et établi, mais c'est en construction. Bon, tu viens de poser même la question, donc je vais te la reposer. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Actuellement, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Dans plein de domaines. Moi, quand je vois ce qui nous manque, moi, c'est plutôt dans le domaine social, dans les sciences sociales. Ce que j'ai vu déjà, tout ce qui est question de pauvreté, accès à l'eau potable. On a besoin d'ingénieurs dans ce domaine, de spécialistes en certaines sciences humaines, santé publique. Il y a vraiment beaucoup de domaines. L'agriculture aussi est un domaine. Le manque est vraiment énorme. C'est un peu tous ces domaines-là reliés, quoi. Vraiment, je peux dire même que dans tous les domaines, on manque d'experts. Est-ce qu'on a besoin de quitter le pays pour avoir vraiment un impact positif sur le pays? Non, pas du tout. On n'a pas du tout besoin de... Parce que la preuve est là qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas quitté le pays, mais qui travaillent, qui ont un impact, comme tu le dis, positif pour le pays. Pas seulement pour le Burkina, en Afrique même en général. C'est pas nécessairement quitter. Moi, je trouve que quitter, l'avantage d'en quitter, c'est cette ouverture d'esprit qu'on a maintenant. Tu peux rester faire tes études au pays. Il y a certaines personnes, par exemple, qui sont restées faire leurs études au pays, qui ont essayé de faire des stages dans d'autres pays même africains, qui sont partis dans d'autres pays africains ou bien qui ont fait des voyages d'exploration, juste pour avoir cette petite ouverture d'esprit, avoir de nouvelles idées. C'est vrai que les études à l'international sont beaucoup plus reconnues,
il y a certaines techniques dans certains domaines, je ne m'y connais pas vraiment trop, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Par exemple, les ingénieurs, après avoir discuté avec plusieurs ingénieurs, il y a beaucoup d'expertise que tu peux avoir en allant à l'international que tu as en plus quand tu étudies à l'international. Mais tu vois qu'au pays actuellement, la vie est assez difficile. Et quel conseil toi tu donnerais aux jeunes qui veulent quitter le pays à tout prix? Quel conseil? Moi, je me dis de ne pas quitter pour quitter. De ne pas quitter pour se dire non, il faut que moi je quitte. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Parce qu'il y a beaucoup de quitter pour se chercher là. Mm-hmm. Je ne vais pas dire que ce n'est pas la solution, mais vraiment, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et après qui viennent, qui ont une vie, disons, misérable, même ici à l'international. Donc moi, je dirais de ne pas quitter pour quitter, mais d'avoir un plan établi, de savoir ce qu'on veut faire et de ne pas se dire que c'est seulement à l'international qu'on peut réussir. Tu as parlé tout à l'heure d'être panafricaine. Oui. Quelle est toi ta vision? Quel est ton idéal pour l'Afrique? Idéalement, pour toi, à quoi l'Afrique doit ressembler? L'Afrique doit ressembler à un continent uni. D'abord, la solidarité dans le continent. Il faut qu'on se serre les coudes, qu'on se batte ensemble pour développer le continent. Il y a beaucoup de problèmes qu'on essaie de résoudre, mais en essayant de les résoudre, si nous-mêmes on se bat entre nous, ça ne va pas s'arranger. Donc je trouve que ça, même, c'est un problème vraiment central dans le continent. L'Afrique doit développer ses ressources, son patrimoine. On a beaucoup de ressources, beaucoup de patrimoine, que ce soit en termes de ressources naturelles, patrimoine culturel, qu'on devrait développer chez nous-mêmes. Et ne pas laisser, si tu me permets de le dire, les gens de l'extérieur venir exploiter et développer toutes ces ressources-là chez nous, à notre place. Parce que c'est nous qui devons développer le continent. C'est nous qui devons utiliser nos ressources, les développer de différentes manières, à travers différents concepts. Tout ça dans la solidarité. Toi, personnellement, comment tu œuvres pour cette solidarité-là que tu prônes là? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu es active dans les associations ou bien... Oui. Donc, je suis très active dans les associations. En fait, même ce qui m'a vraiment lancée dans le domaine associatif, c'est quand je suis arrivée ici à Montréal, je me suis impliquée ma première année dans l'Association africaine de l'Université de Montréal, dans laquelle je m'implique toujours, même si je ne suis plus membre du comité. Donc, je m'implique dans cette association. Et aussi, à côté de ça, justement, en 2016, j'ai créé comme une organisation qui est toujours en établissement de statut, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de construire même la base de ce projet, qui s'appelle AINASO, qui veut dire, qui signifie en français, donc c'est Anjoula, qui signifie « venez à la maison ». En fait, dans ça, on essaie de véhiculer un certain message d'encouragement, un monde solidaire, donc à travers des espaces d'échange et de partage pour la jeunesse africaine. Donc on fait des activités pour les jeunes femmes en particulier, et puis d'autres activités mixtes pour vraiment encourager les jeunes à s'impliquer socialement, à entreprendre et en Afrique. J'ai l'impression que la place de la femme est très importante pour toi. C'est mon bébé. C'est mon point central. Ok. Mais en tant que femme africaine, quelle est pour toi la place de la femme africaine dans le monde actuellement? La femme africaine, la femme africaine dans le monde. La femme africaine, moi je dirais, c'est l'espoir. Déjà, c'est l'espoir pour le continent africain. Et je dirais aussi pour le monde. Parce que la femme, déjà même la femme en général, même c'est l'espoir du monde. Mais la femme africaine en particulier, déjà que l'Africain dans le monde a longtemps eu des problèmes et qui sont toujours présents. En plus de ces problèmes, en étant africain, être une femme africaine, c'est encore plus grand. Mais là, je vais me jouer l'avocat du diable. Je vais te dire que la femme africaine, moi je dirais, je me fais le relais d'une certaine opinion qui dit que la femme africaine, elle veut coûte que coûte ressembler à la femme européenne.
de par ses cheveux, de par ses je sais pas, les pommades qu'elle utilise, les vêtements qu'elle porte, son style vestimentaire est toujours calqué sur la femme européenne. Qu'est-ce que toi tu as dit sur ça? Parce que bon, avant que tu ne répondes, je sais que tu es nappy. Est-ce que c'est un de tes combats aussi que tu mènes ou bien c'est un truc personnel? Déjà, ça commençait par un truc personnel, mais c'est devenu un réel combat. Parce que pour moi, déjà même s'affirmer en tant que femme africaine, fière de ses origines africaines, c'est s'assumer complètement et ça commence par les cheveux. Ça commence par les cheveux. Moi, depuis que j'ai accepté mes cheveux naturels depuis 2012, j'ai compris mon réel combat, celui de la femme africaine. J'ai compris vraiment, parce que comme tu l'as dit, la femme africaine aujourd'hui, c'est... Bon, aujourd'hui, disons que la situation s'améliore vraiment beaucoup, parce qu'il y a beaucoup vraiment de femmes qui assument leurs cheveux, qui ont un style vestimentaire. Oui, il y a un vrai mouvement. Il y a un vrai mouvement. Ouais. Et donc, c'est ça vraiment qui va nous pousser à aller de l'avance. Ce mouvement-là encourage vraiment plus les femmes à s'impliquer même dans la société africaine. Disons que c'est comme une lumière. En fait, c'est comme si on nous a apporté une certaine lumière qui nous a fait ouvrir les yeux. Et donc, moi, je me bats vraiment pour les cheveux naturels. Parce que déjà, même, on voit le mouvement de cheveux naturels pour les femmes en Occident. Mais en Afrique, c'est un réel combat. Il n'y a pas une très grande partie de la population. Parce que pour les femmes, toujours, pour la grande majorité, avoir ses cheveux naturels, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Ou bien parce que ton mari n'a pas l'argent. Ou bien parce que tu n'as pas le temps. Ou bien, tu ne peux pas porter tes cheveux naturels pour aller à des grandes cérémonies, des trucs importants, parce que c'est une coiffure, c'est un truc banal, ou bien trop... Voilà. Mais comment on peut mais est-ce que toi, tu dirais que c'est un problème d'estime de soi-même? Ça, c'est un très bon sujet sur lequel... J'ai essayé vraiment d'analyser, justement, quand je suis partie ces vacances en 2016 là, à Ouaga, parce qu'on a organisé un atelier, de voir un peu. Je ne pourrais répondre vraiment à cette réponse, mais je pense que c'est en partie estime de soi. Parce que, après, par exemple, après avoir donné un atelier sur justement les cheveux naturels, plusieurs femmes sont venues me dire que depuis qu'elles ont réussi en fait à assumer leurs cheveux naturels, une même qui m'a dit qu'elle est partie au bureau avec ses cheveux naturels et ce jour-là, elle était tellement déterminée qu'elle a réussi à réaliser certaines choses. Elle a réussi à s'exprimer en public. S'accepter au naturel, en fait, ça augmente la confiance en soi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain même. Mais alors, comment cultiver cette confiance en soi là, parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc bon, expérience personnelle. Donc bon, au début, c'est sûr, quand j'ai coupé mes cheveux, les gens me disaient: ah, tu vas pas te coiffer, qu'est-ce qui se passe, tu ressembles à une folle. Donc déjà, le fait d'avoir pu encaisser tout ça, et je ne me suis pas sentie rabaissée avec tous ces commentaires parce que je savais ce que je voulais. Et moi, je dis toujours, dès que tu as le waouh du miroir, ce que j'appelle le waouh du miroir, c'est le jour où tu te regardes devant un miroir avec tes cheveux naturels. Tu ne sais tellement pas quoi dire que tu dis waouh. En fait, dès que tu as le waouh du miroir... Moi aussi, je peux utiliser ça ou pas? Peut-être. Bon. Je ne sais pas si toi, tu mettais des perruques ou bien des tresses avant, mais... Donc, dès que tu as le wow du miroir, tu peux marcher, personne ne peut, rien ne peut... Non, mais tu sais, c'est facile à dire. Mais si, bon, tu vois, ça, c'est le truc. Je ne sais pas ce que vous vivez. Oui. Tu vois? Mais je sens que c'est un truc vraiment c'est très profond. Pour les femmes, leur histoire de cheveux, là, c'est très profond. Donc, arriver à surmonter ça, là... Arriver à surmonter, comment arriver? Déjà, c'est
Avant le wow du miroir même, ne pas hésiter à participer justement à des ateliers, à des rencontres de femmes naturelles. Écouter les expériences des autres, apprendre comment ces femmes-là ont réussi à surmonter toutes ces étapes, à aller de l'avant, à s'accepter. À travers ces ateliers, on te montre comment entretenir tes cheveux, comment les rendre plus beaux, les façonner à ta manière, comment réaliser des coiffures qui vont te plaire, qui vont aller avec ton visage, qui vont te plaire. Donc, c'est vrai que c'est tout un processus. C'est pas comme ça du jour au lendemain, parce que comme tu l'as dit, c'est très profond. Et puis, nous, les femmes, on est tellement sensibles que quand tu commences à nous insulter, là, c'est les larmes, quoi. Donc, voilà, tous ces processus-là, des ateliers, ne pas hésiter à prendre des conseils avec d'autres femmes. Lire beaucoup sur le sujet. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles, de témoignages en ligne, parce qu'au début, je ne savais pas trop vers qui aller. Donc, j'ai commencé par lire. Après, j'ai rencontré d'autres femmes naturelles. J'ai participé à des ateliers. Et voilà que j'organise même des ateliers. Donc, c'est tout un processus. À partir du moment où tu as décidé de te couper les cheveux et le moment où tu as eu ton wow du miroir, là, combien de temps s'est écoulé? D'accord. J'ai coupé mes cheveux en 2012. Je n'ai pas eu le wow du miroir directement. Parce que j'étais toujours, je ne savais pas trop, parce que les commentaires m'affectaient, mais malgré ces commentaires, je restais sur ma position. J'ai eu mon réel wow du miroir en 2013. Donc, un an après. Oui, un an après. Et j'ai eu un autre wow qui m'a... Donc, il y en a deux. Non, en fait, ce premier wow-là, ça m'a permis de me stabiliser dans la tête et de savoir que c'est vraiment... C'est vraiment ça, quoi, que j'allais faire. Mais le réel waouh, en fait, ce deuxième waouh-là, ça m'a permis de savoir que c'est important, justement, d'aider d'autres personnes à le faire. Donc, ça, c'était en 2015. Ok. Mais au pays, où est-ce qu'on peut avoir des ateliers comme ça? Ok. Donc, nous, on a développé des ateliers au pays. Il y a d'autres femmes. Des pages Facebook que je peux donner. Adas Care, c'est H-A-D-A apostrophe S Care, C-A-R-E. Donc c'est une dame qui donne parfois des ateliers, qui organise des rencontres justement, des femmes de différents, des femmes, des jeunes femmes, des femmes beaucoup plus âgées, vraiment qui partagent leur expérience, leurs conseils. Sinon aussi il y a Faso Napi, ça c'est un groupe Facebook dans lequel aussi les filles partagent beaucoup. Et en dehors de ces groupes-là, il y a d'autres groupes sur Facebook que les gens peuvent rajouter. Juste taper Napi, il y a plein de groupes qui vont apparaître. Vous pouvez rentrer dans plusieurs groupes et puis voir celui qui intéresse le plus. Ça se développe de plus en plus. Nous, quand on a fait notre atelier à Ouaga, on a eu environ 100 participantes. Oui, donc c'était vraiment... On a vu que les femmes, vraiment, elles cherchent à savoir comment, comment avoir le courage, comment entretenir ou trouver les produits. C'est pas évident. Donc, on voit que la demande est de plus en plus élevée. Donc, Oui, mais les produits même de défrisage, tout ça, c'est pas bon pour les cheveux. Faut bannir ça même. Défrisage, là, c'est pas bon. Des produits naturels, il y a des produits pour les cheveux naturels. Même notre beurre de karité, Burkina Faso, beurre de karité, là. Tu prends beurre de karité, tu mets ça dans tes cheveux, là. C'est tellement bien. Mais ça sent pas bon. Il y a... Bon, c'est vrai, mais bon. Il y a d'autres beurres de karité qui sentent bon. Sinon, il y a aussi un nouveau produit que j'ai découvert, les feuilles de moringa. Ah, ça aussi, on met dans les cheveux. Ça, c'est très bon pour les cheveux, même le bissap. Non, quand tu rinces tes cheveux avec bissap. Il y a des sachets... Non, arrête. Il y a des sachets de thé de moringa. Je savais que moringa, je sais, ça se consomme. Toi, tu mets ça dans tes cheveux. Il y a des produits pour cheveux naturels que, justement, j'ai rencontré un jeune Burkinabé, d'ailleurs, qui fabrique des produits pour les cheveux naturels. Et il y en a où il y a du moringa là-dedans. J'ai oublié le nom. Sinon, j'allais te donner les noms du produit. Et tu parles aussi de bissap. Tu rinces tes cheveux avec le bissap. C'est très bien. Le bissap, ça renforce. En fait, ça, ça renforce le cuir chevelu. Il y a plein d'huiles essentielles. Mais qui a essayé végétales. Ça? Moi, je mets bissap.
Waouh. Oui. Il y a beaucoup de choses, en tout cas. Mais ça n'a pas d'effet secondaire. Non. C'est toi, tu fais ton bisap, tranquille, tu prends les bonnes feuilles, c'est bon. Mais voilà un autre truc que j'ai, les femmes même dans ma famille disent ça. Si je ne défrise pas, mes cheveux vont se casser. Et non, c'est en défrisant les cheveux que ça se casse. Oui, mais ça sèche et puis ça se casse. Non, il faut juste entretenir. Et puis, les femmes ont tendance à dire que entretenir ces cheveux naturels-là, c'est trop dur. Mais moi-même, à l'heure actuelle-là, entretenir d'autres cheveux-là, même, c'est ça qui est beaucoup plus dur. Toi, l'entretien de tes cheveux, ça te prend combien de temps par jour comme ça? Par jour, ça me prend 5 minutes. C'est par semaine, par exemple, une fois par semaine, je fais des bains d'huile, des masques capillaires. C'est ça. J'essaie de faire des petites coiffures protectrices, c'est-à-dire des petites nattes avec mes cheveux pour protéger mes cheveux, c'est tout. Sinon, par jour, j'ai fait un produit, un mélange d'eau, parce qu'il faut hydrater les cheveux. Mettre de l'eau tout le temps, parce qu'on a les cheveux secs, ça c'est vrai. Donc, il faut mettre tout le temps de l'eau. Et puis des huiles essentielles, et puis et végétales, des pommades, des trucs comme ça. Donc ça me prend 10 minutes environ par jour, même pas 5 à 10 minutes. Je mets juste ça. C'est une fois par semaine. Je prends environ une heure pour faire un soin intensif de cheveux. Ah, mais ça c'est intéressant ça. C'est ça. Non, ça se casse pas, ça se casse même pas. Donc toi tes cheveux ne se cassent pas? Ça se casse pas. Quand je fais des... Un moment, j'ai fait un mois, j'ai délaissé mes cheveux. Là, ça s'est cassé. Mais quand je les entretiens, ça ne se casse pas. Mais c'est peut-être cet entretien constant-là aussi qui décourage c'est cet les gens. Pourtant, c'est parce que, par exemple, faire d'autres coiffures... Par exemple, voilà, un truc simple. Si par exemple tu veux faire des tresses ou bien faire une autre coiffure, faire des extensions, si tu calcules le temps, par exemple tu vas aller t'asseoir, on va faire ça sur ta tête, donc le temps de faire ça, le temps de défaire, si tu additionnes tout ce temps et puis tu mets ça dans le... Tu prends une semaine chaque jour pour faire tes soins, ça revient à la même chose. Bon, on a parlé de redonner la confiance à la femme africaine. On a parlé des cheveux. Est-ce que toi, tu as identifié d'autres aspects où la femme africaine a besoin de regagner sa confiance? De regagner sa confiance, c'est avec vous les hommes. Parce que vous n'êtes pas facile et il faut encourager les femmes. Parce que dans une société de machos, ça je le dis, je le redis et je le redis, on est dans une société de machos, surtout en Afrique, là c'est pas facile. Ça fait que la femme... ne se sent pas capable de faire certaines choses. Déjà parce qu'elle a peur du regard des autres, elle a peur de... On lui montre en fait depuis petite que c'est l'homme quoi, que c'est l'homme qui prend toutes les décisions, c'est lui l'homme fort. La femme en fait n'a pas beaucoup d'outils pour se développer elle-même, pour réaliser ses propres choses. Et ça c'est vraiment dommage. On a vraiment besoin... de renforcer cette confiance-là chez les femmes, chez les jeunes femmes, surtout en Afrique. Ça, c'est un gros problème. En fait, là, c'est plus un problème de femmes. Ça, c'est un problème d'hommes et de femmes maintenant. C'est un problème de société. Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux faire pour contribuer à ça? Il faut l'encourager. Non, mais moi, je te dirais que ce discours que tu as là, c'est un discours qu'on a pris des féministes européennes. Bon, européennes, américaines. Est-ce que c'est un discours qui vraiment est adapté à nous, notre réalité? Parce que, je te donne un exemple. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle faisait du beurre de karité, tout ça. Bon, je ne sais pas. Si je te dis qu'elle était indépendante, tout ça, j'étais menti. Je ne peux pas dire qu'elle était indépendante, elle n'était pas indépendante. Mais la manière dont moi j'ai eu l'expérience de ça, c'est qu'elle faisait son beurre de karité, elle tissait, elle faisait le fil là, avec le coton, tout ça. Tu vois? Mais est-ce que c'est ça que vous appelez le fait qu'elle ne soit pas émancipée ou bien c'est quoi l'émancipation en fait? Il faut faire la différence parce que là, on parle, là j'ai l'impression qu'on parle de deux choses.
La femme africaine, c'est une femme battante, c'est une guerrière. La femme burkinabé, c'est une yenenga, c'est une guerrière. On voit au Burkina que les femmes bossent. Okay. Donc, j'ai parlé l'exemple du beurre de karité depuis nos arrière-arrière-grand-mères. Mm-hmm. On sait qu'elles bossent. Mm-hmm. Maintenant, mm-hmm. dans le côté que, dont je parle, mm-hmm. c'est beaucoup plus dans la confiance en soi. Mm-hmm. C'est-à-dire que la femme a tendance à se mettre en retrait. Par exemple, elle va travailler, mm-hmm. mais elle ne s'exprime pas beaucoup de peur d'avancer certaines idées. Moi, c'est beaucoup plus cet aspect-là. La femme, en général, en Afrique, est très entreprenante. Elle mm-hmm. se débrouille vraiment. Mm-hmm. Et ça, c'est un héritage qu'on a depuis nos arrière-arrière-grands-parents. Mm-hmm. Maintenant, c'est le plus le côté savoir qu'elle a quelque chose à dire, qu'elle peut s'exprimer. Maintenant, dans ça aussi, il faut faire la différence avec manque de respect. Parce que je sais que beaucoup d'hommes me parlent de ça, que la femme a tendance à vouloir être émancipée et puis à manquer de respect. C'est deux choses totalement différentes. Mm-hmm. Faut qu'elle sache qu'elle a une certaine place dans la société, mm-hmm. que ses idées sont les bienvenues et sont importantes pour mm-hmm. la société. Donc, pour finir, je vais te demander, est-ce que la Dalila, quand on voit qu'il présente les défilés, tout ça, est-ce que c'est la Dalila qui est... Est-ce que c'est la même Dalila qui est à la maison, tout ça? C'est pas totalement la même, parce que en public, je suis, disons que je suis sérieuse, sérieuse dans les relations avec les personnes. Je suis assez timide, assez réservée, ça fait que je ne parle pas beaucoup. À la maison, je suis un peu, on me traite parfois de clown dans ma famille. Donc, beaucoup plus dans ce côté-là. Et puis... Voilà, la Dalila à la maison, c'est la Dalila qui aime préparer, mmh. s'occuper de la maison et puis faire rire, rigoler avec les gens. Mmh. Beaucoup plus ouverte, donc dehors, beaucoup plus, un peu plus fermée. Ça, je travaille là-dessus. Mmh. J'essaie de vaincre un peu cette timidité. Mmh. Mais voilà. Mais en gros, c'est toujours la même, c'est-à-dire que je ne change pas trop. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Mmh. J'ai peur de perdre ma motivation. Je pense que à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai vraiment peur de perdre ce fil conducteur, le fil conducteur que j'ai actuellement. Et si tu as un conseil aux jeunes femmes et aux moins jeunes aussi qui nous écoutent, aux femmes africaines en général? Si j'ai un conseil... Un message, plutôt. Un message. C'est d'abord, pour toute chose dans la vie, faut apprendre à se connaître. Apprendre à savoir qui on est. Et savoir que on peut réaliser en fait ce qu'on veut, nos rêves, disons. Mais il faut qu'on se donne les moyens. Il faut la patience. Il faut se donner les moyens d'y arriver et de ne pas avoir peur de l'échec. Okay. Voilà, c'est ça en gros. De rester solidaire, de savoir, d'apprendre à se connaître et d'aller de l'avant. De ne pas essayer aussi à côtoyer d'autres personnes, prendre des conseils. Et voilà, je pense qu'ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses. Merci Dalila. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Noël et présenté par moi-même Bachir. Vous pouvez participer à la discussion sur notre page Facebook et SoundCloud ou en laissant des messages audio sur WhatsApp au 00 33 6 19 88 45 88. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.